Bonne nouvelle. On savait que Vanessa Hudgens avait retrouvé l'amour après sa rupture avec Austin Butler. Ce vendredi 3 février 2023, People a bien confirmé l'information de TMZ, Vanessa Hudgens et Cole Tucker se sont fiancés. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Cette phrase, si est celle postée sur Instagram par l'actrice et chanteuse américaine Vanessa Hudgens. Quelques mots pour résumer son histoire d'amour avec Cole Tucker. Une nouvelle histoire qui a débuté en 2020, alors que l'ex-star de High School Musical avait vécu une belle romance de 8 ans aux côtés d'Austin Butler. D'ailleurs, la belle y est allée de son petit tacle sur son imitation de la voix d'Elvis Presley. Plus jeune, Vanessa Hudgens avait aussi connu une relation surmédiatisée avec Zac Efron, lors de leur période Disney Channel. Vanessa Hudgens et Cole Tucker se sont d'abord rencontrés en distanciel, Covid oblige. Ils faisaient tous les deux partie du même groupe de méditation sur Zoom. Un coup de foudre immédiat pour Vanessa Hudgens. Quand je veux quelque chose ou quelqu'un, je vais le chercher. J'ai glissé dans ses DM et j'ai fait genre hey, c'était sympa de te rencontrer. Donc je pense qu'il n'y a pas de honte à faire le premier pas, avait-elle confié dans l'émission de Drew Barrymore. Si est ce vendredi 3 février 2023 que People a confirmé la bonne nouvelle, Vanessa Hudgens et Cole Tucker sont désormais fiancés. Cole Tucker, un sportif professionnel mais au fait, qui est Cole Tucker? Plus jeune, le jeune homme est âgé de 26 ans, alors que la comédienne vient de fêter ses 34 ans. L'américain Cole Tucker est un joueur de baseball professionnel, qui fait partie des Rockies du Colorado. Si est dès son plus jeune âge qu'il se découvre un amour pour ce sport. Petit, il se passionne pour les Diamondbacks de l'Arizona, une franchise de baseball. Si est aussi une histoire de famille. En 2020, son frère a été sélectionné par les Cleveland Guardians. Cole Tucker, lui, s'y est mis sérieusement quand il était adolescent. Au lycée, il fait ainsi partie de l'équipe de baseball du Mountain Point High School, en Arizona. Bien vite, son niveau impressionnant lors des matchs de baseball le propulse dans l'équipe nationale de baseball des États-Unis, lors de la Coupe du Monde de Baseball de 2013. Il s'engage aussi à jouer au baseball universitaire à l'Université d'Arizona. Repéré dès 2014 par les Pirates de Pittsburgh, c'est avec eux qu'il s'engage dans une voie professionnelle. De 2019 à 2022, l'organisation de baseball le fait jouer tantôt en arrêt court, tantôt en voltigeur. Le voilà engagé dans une nouvelle aventure avec les Rockies du Colorado. Un nouveau chapitre s'écrit aussi avec Vanessa Hudgens.